Excusez-moi. Vous êtes tout excusé. Ordre du roi. Bonjour. Tout va bien? Nous dormions. Pourquoi nous avoir réveillés? Mieux vaut être importuné que dévalisé sur la grande route. Il faut être d'une grande prudence. L'endroit est infesté de brigands. Plaisanterie, où sont-ils, vos brigands? Je voyage constamment seul et personne n'a osé me voler même une épingle. Cela pourrait vous arriver. Oh, m'approchons d'or. Et mes boucles d'oreilles. Oh, Seigneur Jésus, vous m'avez volé. Pas si vite. Mais je ne le connais pas. Oh, mais non, non. Oh, oh, oh. Désolée, belle dame. Je n'aurais même pas un souvenir de vous. Insolent. Hey, tu as le caca un peu haut. Les prisons de Londres t'enlèveront l'envie de faire de l'esprit. Lâchez-moi, je n'ai rien fait. Ce vieux gredin est ton complice, j'en suis sûr. Oh non, ce vieux nigo. Pourquoi ne les arrêtez-vous pas tous? J'ai peur de m'ennuyer tout seul. Allons, emmenez-le. En route, cocher. Traiter de vieux nigo, moi, espèce de jeune freluquet. Je te ferai voir, moi. Ouvrez, vous amenons un nouveau pensionnaire. Demi-tour, marche! Tâche de rester tranquille. Le gouverneur n'est pas patient et il connaît plus d'un moyen de se débarrasser des fortes têtes. Sois le bienvenu. Qui es-tu? Je m'appelle Peter. Et toi? Martin. Oh, Martin. Et que vient faire un gentilhomme comme toi en prison? Oh, j'ai été maladroit. Voleur? C'est ce qu'ils disent. À te voir, on ne s'en douterait guère. Oh, c'est que, tu sais, je suis d'une excellente famille. Je n'en doute pas. De la grande aristocratie du vol. Voler est un art extrêmement ardu. Nous en gardons les secrets depuis des générations. En tout cas, mon ami, tu es différent de la plupart des seigneurs qu'on voit d'habitude entre ces murs. Très honoré. Et toi, qui es-tu? Depuis quand loges-tu dans ce château? Oh, quelques jours. Figure-toi que j'en avais assez de vivre au grand air avec des gens qui étaient loin d'avoir ton élégance et ta distinction. Est-ce que cet endroit est assez confortable? Bon, pour le moment, nous aviserons plus tard. Tu aviseras. Comptes-tu moisir ici jusqu'à la fin de tes jours? Non, mais je crains fort que d'autres n'en décident pour nous. Si tu as soif ou si tu veux faire un peu de toilette, voilà ce que notre bon geôlier nous donne. De l'eau de la Tamise. Enlève tes vêtements si tu as chaud. Oh, non, non, vois-tu, je n'ai pas trop chaud. Bon. Fais de jolis rêves. Oh, bonne nuit. Bonne nuit. Thank you.
Aujourd'hui, ils vont nous servir la soupe dans la cour. Ça doit être une pâté écœurante. Oh, tu sais, quand on a faim, on ne fait pas le difficile. Tu as des mains fines et soignées. Et aussi un visage très doux. Combien de femmes as-tu rendu folles d'amour, hein? Les femmes? Oh, mes conquêtes, je ne les compte plus. Oh, je m'en doutais. Moi, je n'ai jamais su résister à la grâce d'une fille bien faite. La douceur d'un teint de lys et de rose, la suavité d'un parfum subtil, la finesse d'une jolie cheville, le mystère d'une jambe exquise et qui promet des extases infinies. Tais-toi, ça suffit comme ça. Mais qu'est-ce qui te prend, cela te gêne qu'on parle des filles? Des rondeurs de leur poitrine et d'une bouche attirante. En parlant des femmes et de leurs appâts, c'est de toi que je parlais. Quand t'en es-tu aperçu? Mais cette nuit, je voulais te le cacher, mais nous resterons peut-être pendant des années dans cette prison. Quel est ton vrai nom? Marie Reed. Qu'est-ce que tu dis? Marie Reed? La femme bandit? Oui, on m'appelle aussi Marie Larousse. Et tu voles autre chose que des joyaux, tu voles aussi les cœurs. Donne-moi un baiser. Laisse-moi tranquille. Et si je ne voulais pas, si je refusais? Que ferais-tu? Tu crierais peut-être? Tu tiens tellement à ce qu'on sache qui tu es? Je n'ai aucune raison de crier. J'aurai la force de me défendre. Et auras-tu envie de te défendre? Tu vas voir que j'ai des griffes et des dents! Tu es adorable. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, mais c'est... Mais quoi, tu m'as volé mon médaillon? Et je ne m'en suis pas aperçu. Lord Goodwin a son cher fils avec sa tendresse. À qui as-tu volé ça? Au fils de Lord Goodwin, oui, je lui avais volé bien d'autres choses. C'est pourquoi je suis ici. Tu gardes sur toi ce médaillon, mais c'est de la folie. Écoute, quand on est découvert, il est toujours préférable de rendre ce qu'on vient de prendre. En particulier lorsqu'il s'agit d'un lord. C'est seulement comme ça qu'on a une petite chance d'être jugé avec indulgence. Avec indulgence? Je ne demande pas d'indulgence. Dehors, à la soupe et vite. Avancez. Avancez. Dépêchez-vous. Avancez. Arrêtez de manger! Allons, alignez-vous! Assez mangé, j'ai dit. Cette nourriture indispose monsieur le gouverneur. Non, tu tiens vraiment à être pendu. Au revoir. Et merci encore. Au revoir, monsieur le gouverneur. Quelle affreuse odeur! C'est pire que des cadavres en putréfaction. Ce n'est pas tenable ici. Désignez trois hommes pour la corvée de nettoyage. Toi. Toi. Et toi. Non, reste là. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la corvée, il faut se déshabiller et se laver devant les gardiens. J'y vais à ta place. Oh, je te remercie. Toute la pourriture. Ah, un travail répugnant. Je suis à bout de force. Oh. Oh, pour ça, je recommencerai tous les jours. Je sais pas ce qu'ils lui veulent à celui-là. En tout cas, je voudrais pas être à sa place. Et là, viens, le gouverneur veut te voir.
Non, pas toi, celui qui s'appelle Peter. Vos seigneuries ont le cœur généreux. Elles sont bonnes d'avoir accepté de se déranger à cette heure-ci, d'autant qu'il doit s'agir d'un vulgaire voleur. Qui prétend cependant être le fils de Lord Goodwin dans ces conditions. On voit bien que vous ne connaissez guère ces bandits, Milord. Ils sont capables d'inventer des histoires sans queue ni tête pour se sortir d'une affaire fâcheuse. Eh bien, questionnez-le. Nous serons fixés tout de suite. Bien, Milord. Entrez. Fils d'un lord, lui, avec cette tête de bandit, ses yeux d'assassin. Ah, oh, mon cher William. Eh bien, tu as encore découché, Milord. Tu as fait pleurer d'inquiétude toutes les filles de Londres. Mais nous leur dirons que tu as une tête de voleur et des yeux d'assassin. Vous auriez dû me laisser passer encore une nuit ici. Pourquoi? Tu t'y trouves bien? Ah, séjour dans cette délicieuse prison est un vrai paradis. C'est très généreux, seigneur. Toi, donne-moi un cigare. Tout de suite, Milord. Un des meilleurs. Voilà, Milord. Quoi, tu as l'audace d'offrir cette ignoble cochonnerie au fils d'un lord? Mais je ne savais vraiment pas qui vous étiez. Mais réellement, est-il le fils de Lord Goodwin? Quoi, tu en doutes encore? Non, non, votre seigneurie. Non, comment douterais-je? Il suffit de voir vos manières et la grande noblesse empreinte dans vos traits. Maintenant, expliquons-nous. Peter, dis-nous ce que tu as fait pour qu'on te retrouve là. Pour aller au bal de la comtesse Bervin, je me suis déguisé en voleur. Milord, ne soyez pas trop sévère. Je ne pouvais savoir, c'est une terrible... C'est une désolante erreur. Ça va, passons l'éponge. Oh, votre grâce. Ce matin, j'ai nettoyé à fond tes écuries. Demain, c'est toi qui balayeras les miennes. Ainsi, tu ne me devras rien. C'est entendu, Milord, c'est entendu. J'en ferai de vrais salons. De vrais salons. Alors, viens-tu avec nous ou veux-tu encore jouir de l'hospitalité de notre ami le gouverneur? Je viens, mais avant, je dois retourner dans mon cachot. Un moment. Au revoir, Marie. Pourquoi? Tu t'en vas? Tu es libérée? Non. Non, c'est probablement ce Lord Goodwin qui s'est fâché. On m'emmène je ne sais où. Peut-être va-t-on te torturer. Le médaillon. Tu dois rendre ce médaillon. Non, non, trop tard. Je te le donne. En souvenir de moi. Eh bien, Peter le brigand. Nous t'attendons. Je veux voir Lord Goodwin. Est-ce que tu crois que sa seigneurie reçoit des mendiantes? Je lui rapporte ce médaillon. En effet, c'est bien à sa seigneurie. Ah, je ne le remettrai à personne d'autre. Mais où l'as-tu pris? Tu l'as volé? Non, c'est un cadeau que quelqu'un m'a fait.
Je le dirai seulement à sa seigneurie. Je veux la voir tout de suite. Viens avec moi. Fais attention, ne touche à rien. Sinon, je te jure que tu seras fouetté. C'est une aventure des plus divertissantes. Hein? Oh oui, en effet. C'est dommage qu'elle ait si peu duré. Oh, quelle histoire originale. Et Marie Reed, restera-t-elle longtemps en prison? Il est probable que si on la reconnaît, la malheureuse en a au moins pour 6 ans. Et si on ne la reconnaît pas? Alors elle sera libérée dans 5 ou 6 mois. J'avoue que je me suis trompé. Elle a réussi à en sortir plus tôt. À traverser la place. Marie, décampons en vitesse. Cet endroit n'est pas du tout sûr pour toi. Il y a un cadeau à faire, on dirait. Non, à présent, je suis trop vieux. Je l'ai acheté spécialement pour toi. Oh, pour la prison, excellent. Oh, non, je savais très bien que tu ne resterais pas longtemps au fond d'un cachot. Je me disais peut-être 1 ou 2 jours, mais sûrement pas 3. Tu es ma petite fille, ça se voit bien. Je sais. Ce pays est dangereux, il faut que je file. Où veux-tu aller? Ailleurs. Où ça? Oh, ailleurs, où il n'y aura ni lord, ni fils de lord, ni aucun des gens de cette race. Mais qui est-ce que nous volerions si on supprime les lords, hein? Les prisons vous jouent de drôles de tours. Chaque fois qu'on en sort, on a envie de partir au bout du monde. Écoute, ce soir, à la Colombe d'Or, on va prendre une cuite formidable. Ça effacera tout le reste. Tu non, je n'ai ni envie de boire, ni envie de ça te changera les idées. Il faut y aller. Ce soir, il va y avoir de grandes réjouissances. On fête le retour du capitaine Pouf, le plus fort des corsaires de Sa Majesté notre roi. Hein? Très bien, je te suis. Thank you.
es-tu, la reine d'Angleterre? C'est beaucoup mieux. C'est ma brave petite fille, Mary Read. Ah, moi, je suis le capitaine Pouf. Tu me plais. Viens à ma table. Allons, viens. Une autre fois, tu songeras à te découvrir quand tu t'adresseras à une dame. Bien dit. Ma belle, tu as raison, il faut être très poli en parlant aux dames. Et je voudrais que mes corsaires fassent les galants au lieu de se conduire comme des ostrogons. Alors, si tu deviens poli, accorde-moi un petit entretien. Veux-tu que nous trinquions? J'en serais fort honoré, milady. Et vous autres, faites place à cette charmante dame. Oust! Je vous en prie. Capitaine, je voudrais embarquer avec vous. Toi? Pourquoi? C'est une mauvaise idée? Ah, mais non, non, non. Au contraire, c'est une idée qui me plaît beaucoup. D'accord, tu es engagé. Bon. Engagé comme matelot. Mais oui, bien sûr. Et je te jure que tu seras le plus gentil matelot qui ait jamais louvoyé sur le pont d'un navire. Oui. Mais il y a autre chose. Lui aussi, il embarque. Hein? Quoi? Mais que veux-tu que je fasse de ce vieillard? Capitaine, et qui donc a appris à ma petite fille à faire mouche à tout coup au pistolet? Silence, silence! Je vous engage, petite fille et grand-père. Maintenant, nous allons trinquer à la santé de nos nouveaux matelots. Oh, pardon. Bois pas tout. Ben, tu es une vraie éponge. À la vôtre. Capitaine Pouf, vous croiserez au large des côtes de l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale. Je vous transmets les vœux de Sa Majesté et j'y ajoute les miens. Et bonne chance. Ah, merci. Veuillez, je vous prie, dire au roi que cette fois encore, je m'efforcerai de courir les océans pour sa plus grande gloire et pour les caisses de son trésor. Maintenant, nous levons l'ancre. À l'appareillage, à vos postes. Au mode artiment. Prenez le vent! Prenez le vent! Prenez le vent! Et là, tous au cordage, tenez! Et on appelle ça les corsaires, ils sont aussi lents que des tortues! Capitaine, à vos ordres, nous venons prendre nos postes. Ah! Sais-tu faire la cuisine? Ouais! Essayez, vous verrez que l'équipage sort pour lécher les babines. Ah! Bravo. Alors va dans la cambuse, t'auras de quoi faire. Et toi, tu vas venir avec moi. Je t'ai réservé une place dans ma cabine. Pauvre capitaine Pouf. Ah, capitaine. Cette cabine est la mienne. Sortez. Quoi? Quoi, ta cabine? Mais sacrebleu, tu veux plaisanter? C'est la mienne. C'est ma cabine et tu la partageras avec moi. Capitaine, je ne te dois obéissance que dans le service et pas pour autre chose. Oui, oui, d'accord. Ah. Alors sors d'ici. Va sur le pont, tu entends? Et vas-y en vitesse! Larguez le grand hunier! Matelot! Grimpe dans les haubans et largue-moi en vitesse le grand cacatoire. À vos ordres, capitaine. Thank you.
feignant. D'autres ordres, capitaine? Oh non. Maintenant, est-ce que je peux retourner dans ma cabine, capitaine? Ouais. Oust! C'est ma spécialité. Personne n'en connaît la recette. Et je l'ai baptisé matelote de loup de mer à la grand-père. Bon, je vais remettre ça au chaud. Et tu es à moi. Pourquoi est-ce que tu veux me résister? J'aime les belles filles ardentes. Capitaine! 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 Un vaisseau espagnol en vue! Enfer et damnation, qu'est-ce que tu viens faire ici? Fiche le camp! Retourne à ton poste, espèce d'imbécile! Nous reprendrons cette conversation à un autre moment. Thank you.
cause de ça. Tu m'aurais aimé. Ah. Rendez-vous tous. Vous serez traités comme des prisonniers de guerre. Alors rendez-vous. Sinon, vous êtes tous morts. Nous ne résistons plus. Nous nous rendons. Puisqu'on est de toute façon prisonniers, je crois que j'aurais préféré d'être chez nous, à Londres. Remorquez le sloop. Enfermez les prisonniers au fond de la cale. C'est moi. C'est ça, la galanterie espagnole à l'égard des dames. Une dame, oh. Une femelle prête à se vendre sans vergogne aux plus offrants. Qu'est-ce que tu dis, hein? Retire ça ou je te fais ravaler tes paroles. Avance. Je suis désolé de ce qui arrive, madame. Veuillez excuser mes soldats. Qui aurait pu penser qu'une fleur aussi fraîche, aussi délicate, se dissimulait dans cette boue, cette pestilence? J'espère que vous autres Espagnols, vous ne cultivez pas les fleurs dans la cale de vos navires. Non. Permettez, señora, je suis Don Pietro Alvarez d'Acosta, Duca di Sierra y Cordova, Grande Espagne. Puis-je vous offrir l'hospitalité dans ma cabine? J'en serais très honoré, capitaine. Capitaine, les prisonniers sont enfermés dans la cale. Mettez le navire à l'ancre et réparez les avaries. Et que personne ne me dérange. Voulez-vous entrer, je vous prie? Voilà, charmante señora. C'est tout ce que je puis vous offrir pour l'instant, et je m'en excuse, mais tout ce que j'ai est à votre entière disposition. On a tout sous la main chez vous. Vous avez du goût, vous autres gens de la noblesse. Merci. Je suis très flatté. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Marie. Marie. Vous êtes belle et désirable. Oh. Dans vos yeux, on voit les reflets et les ombres de la mer. Oh, capitaine, quelle ardeur, vous brusquez les choses. On est ardent dans la marine, chérie. Tu es la femme dont je rêve depuis toujours. Ah, alors continue à rêver, mon ami. Et à ton réveil, si tu te réveilles, tu n'auras pas lieu d'être fier de toi. On a passé une mauvaise journée, mais le capitaine va passer une bonne nuit. Armons nos hommes, vous avez compris? Oui, oui, oui. Allons, vite. C'est toi, Manuel? Vous êtes prêts? Attaquons-les pendant qu'ils dorment. Ils n'auront pas le temps de se saisir. En avant. Autant le faire à notre avantage plutôt qu'à celui de l'Angleterre. Moi, je dis que tu as raison, Marie. Nous deviendrons tous riches. Dorénavant, je commande ce navire et je prends le nom du capitaine tué en combattant. Donc, désormais, je suis le capitaine Pouf. Tant que nous nous servirons de ce nom, nous pourrons agir avec une liberté bien plus grande. Et vive le capitaine Pouf! Vive le capitaine Pouf! Thank you.
J'adore ta peau satinée. Et la finesse de tes chevilles qui sont un doux prélude aux plus délicieuses extases. Oh, Peter, tu es si impétueux, si audacieux. Ah non, ma chère. Je ne le suis qu'avec une fleur telle que toi. Oh. Tu as des épaules si soyeuses. Ta gorge et ton décolleté ravissant sont les douces promesses d'une grande béatitude. Peter. Tu as une légèreté de sylphide, mais il y a beaucoup trop de monde ici. Hein? Excusez, Milord, la personne vient d'arriver. Ah. Miss Elizabeth, je suis très flatté que vous ayez accepté mon invitation. Lord Goodwin. Non, viens dans mes appartements, nous serons plus tranquilles. Écoute. Excusez-moi, je vous prie, Miss Elizabeth. Oh. Et pas d'oreille, pas de regard indiscret à craindre. Et tu pourras prendre quelques repos si tu en as envie. Oh, je devrais te dire non. Mais... Peter a fait une nouvelle victime. Elle ne lui a pas résisté beaucoup, innocent. Il ne lui a fallu qu'un ou deux menuets. Non, non, non. Pas ici, les gens passent et repassent constamment. Viens, tu verras, nous serons bien mieux. Mais où m'emmènes-tu, hein? Oh, mais voyons, c'est une chambre, je ne sais si je dois... Quelle importance la peut-il avoir? Oh. Chérie, tu es la plus jolie femme que j'ai jamais vue. Je sais que tu ne le penses pas, mais ça me fait grand plaisir de te l'entendre dire. Je suis sincère. Tu es l'être le plus exquis que je connaisse. Ton âme se reflète dans tes yeux. Et vois-tu, c'est surtout de ton âme que je suis éperdument épris. Ah oui, tu la cherches dans ma gorge. Bien sûr. Tu devrais le savoir, l'âme se cache dans les endroits les plus secrets, mais ce n'est qu'avec une infinie délicatesse qu'on la déniche. Oh, Peter, quand tu dis un mensonge, on a l'impression que c'est la vérité. Sois gentil, chérie, mais surtout ne songe à rien. Je suis fou de toi, et j'espère que tu me crois, mon amour. Eh bien, moi, si j'étais à votre place, je n'en croirais rien, mademoiselle. Mais Lord Goodwin, si vous étiez à ma place, vous le croiriez? Père, ce n'est guère généreux de votre part. Va-t'en, Margaret, nous continuerons cet entretien une autre fois. Hmm? Allez, va. Va vite. Non, Peter, tu aurais tort de croire qu'il y aura une autre fois. Tiens, et pourquoi? Parce qu'il faut que cela cesse. Tu es la honte de notre noble lignée. Oui, quand j'avais ton âge, j'avais déjà fait plusieurs campagnes contre Cromwell. Et toi, tu n'es jamais allé sur un champ de bataille. Père, je n'aime pas les armes, je suis contre la violence. Pourquoi, si c'est vrai, n'entres-tu pas en légion? En religion? Oh, père, que dites-vous là? Qu'y a-t-il de si risible? D'autres l'ont fait. Si tu refuses, je ne vois qu'une seule solution. Le mariage, mon fils. Ah oui, c'est une solution très logique. C'est parfait. J'ai déjà fait un choix, Peter. Ta future fiancée est d'une très noble famille, elle a de grands domaines et de belles espérances. Bon, je ferai ce que vous voudrez. Alors, tu es d'accord? Je n'ai pas d'autre issue. Et dès ce soir, j'annoncerai officiellement tes fiançailles. Père, pourrais-je avoir l'avantage de voir ma future épouse? Oh, non! Réveillez-vous, tas de marmottes que vous êtes! Pied à terre! En selle à présent! Pied à terre! Réveillez-vous, ne craignez pas de vous fatiguer! En selle! Pied à terre! Alors, vite en colonne! Au trot! En colonne par un présent et au galop! Sautez, sautez la barre, fainéant! Sautez, sautez!
compris, pas de bêtises. Allez, saute. Ah. Bande de paresseux, vous avez vu? Faites comme votre camarade, le cadet Peter Goodwin. Je suis assez fier, ma chère Elisabeth. Je crois que le brillant élève Peter est en train de devenir un vrai Goodwin. Ne tirez pas. On va essayer de l'aborder. Approchons-nous de lui. Barabe à bord. Ici, notre pavillon! Un pirate! Barre à tribord, larguez toutes les voiles! Oh, des pirates? Malheur, nous sommes perdus, ils vont nous tuer tous! Ne restez pas là, nous allons peut-être réussir à fuir. Des pirates? Comme c'est excitant! J'espère qu'ils n'auront pas le mauvais goût de tuer aussi les femmes! Mademoiselle, retournez dans votre cabine. Les boulets de canon ignorent les règles de la galanterie. Hé, hey, regardez! C'est un navire anglais. Avant de me joindre à vous, je n'avais jamais à raisonner un navire anglais. Fais attention. Avec l'Angleterre, nous avons des conventions. Yvan, les pirates ne connaissent qu'une convention, le pillage. Je ne fais aucune différence entre un navire espagnol et un vaisseau anglais. Donne-moi un ordre, capitaine. Et je te jure que je l'envoie au fond avec une seule bordée. Retiens bien ceci. Nous devons piller et non tuer inutilement. Vise le grand mât pour les empêcher de fuir. Prêt, feu! Nous sommes dans l'obligation de nous rendre. Nous pouvons nous battre contre un tel navire. Gardez votre sang-froid et nous réussirons peut-être à ne pas être massacrés. Oh, quelle aventure! Peut-être le chef de ces pirates est-il un de ces jeunes et séduisants écumeurs des océans qu'on décrit dans les récits romanesques. De quoi ai-je l'air? Suis-je présentable? Ici le pavillon blanc, amenez les voiles, nous nous rendons! Ils se rendent, j'en étais sûr. Accostez doucement. Préparez-vous à l'abordage. Salut, votre seigneurie. Mon navire est à vous. Agissez à votre guise. Mais j'ai bien peur que nous ne soyons une prise dénuée de tout intérêt. Ce que nous transportons n'a que peu de valeur. Nous verrons. Mademoiselle, je suis étonnée de vous voir ici. Pour quelle raison vous êtes-vous embarquée sur un pareil rafio? Oh, mais c'est un pur hasard. Ce navire était en partance et j'ai été heureuse de le prendre car je suis attendue en Floride où le vice-roi donne une grande fête. Et pour aller à une fête, vous avez le courage de traverser l'océan? Oh, oh, oh. Et d'où venez-vous, mademoiselle? De France. Vous êtes belle et bien faite. Merci. Vous aussi, vous êtes séduisant. Qui êtes-vous? Je suis la première ballerine de Sa Majesté Louis le XIVe. Je viens directement de Versailles et je dois danser devant les invités du vice-roi. Capitaine, nous venons de fouiller les cales, n'avons trouvé que des balles de coton. Et des coffres pleins de vêtements de femmes. Misère de misère. Tout ce travail pour rien du tout. C'est sans importance. Vous avez de très belles toilettes, mademoiselle. Oh, merci. Comment ça me va-t-il? À la perfection, Marie, à la perfection. Emmenez cette fille à notre bord et laissez les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, voilà des manières. Nous retournons à bord tout de suite. Nous mettons le cap droit sur la Floride. La Floride? Pourquoi? J'ai une idée. Puisque le butin refuse de venir à nous, nous irons au butin. Et maintenant, dames et seigneurs, voici le grand divertissement de la fête. Une surprise qui nous vient tout exprès de la cour de Versailles. Jusqu'à présent, je me demandais pourquoi la cour du roi de France avait une si grande célébrité. Ah,
un vrai scandale. On devrait arrêter cette exhibition. Oui. Regardez, quelle indécence! Excellence, ne bougez plus. La plaisanterie a assez duré. Attention, pas un seul geste. C'est à présent que la fête commence, Excellence. Allez! Je l'ai gagné de haute lutte. Reconnaissez que le spectacle que je vous ai donné valait bien ça. Restez tranquille ou je ne réponds de rien. Alors, ce divertissement vous a plu? Il faut payer à présent. Excusez, je choisis ça. Ça aussi. Vous pouvez donner quelques joyaux. Vous en avez plein des coffres. Les mains en l'air. Allons, allons. Toutes les deux. Bon, je n'insiste pas. C'est contraire à mes principes d'assister à de tels spectacles. Il est temps de filer. Ne faites pas un geste si vous tenez à la vie. Mais qu'est-ce que t'as tremblé? Je t'ai laissé ton pantalon, non? Vous êtes bien honnête. Dis-le plus fort pour que tout le monde t'entende. Plus honnête que lui, j'en connais pas un seul. Bravo, je te remercie. À présent, je n'ai plus d'ennui avec ma conscience. Vive le capitaine Pouf! 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 Cent onze d'or, c'est donné. J'aurais cru qu'on en offrirait 500 de ma tête. Marie, demande ce que tu veux pour toi, nous nous ferons tous tuer. Non, vous vivrez tous très vieux. Parole de Marie Reed. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi as-tu sorti cette cuirasse? Elle n'est plus du tout à la mode. Ben, je trouve que c'est encore utile pour se protéger des coups. Pour un peu d'or, je connais des tas de militaires qui se feraient une joie de me trucider. Mais celui qu'on recherche, c'est le capitaine Pouf. Eh bien sûr, et qui leur expliquera que je ne suis pas lui? Ces gens-là tuent d'abord, et c'est après seulement qu'ils se renseignent. Et comme je suis constamment à côté de toi, et que j'ai l'aspect très autoritaire d'un chef, ils croiront certainement que je suis le capitaine Pouf. Quelles ordres dois-je donner au timonier? Nous croisons à présent sur les routes des navires venant d'Europe. Nous croisons, c'est facile à dire, mais il faudra faire attention. À force d'attaquer à tort et à travers, nous tomberons sur une frégate qui nous massacrera. C'est toi, Yvan. Pourquoi restes-tu là si souvent à regarder la mer? Je n'en sais rien. Je suis avec mes pensées. Je sens que tu as un chagrin, Marie. Écoute. Non, je t'en prie, tais-toi, ce serait inutile. Je t'assure que je ne suis pas en état en ce moment d'entendre ce que tu vas me dire. Non. Non, dans quelque temps, peut-être. Merci. Et retourne vite à ton poste. Très bien, capitaine. Cadet Peter Goodwin. Vous avez obtenu la première place au concours de sortie de l'Académie. Avec l'agrément de sa gracieuse majesté, je vous nomme capitaine de première classe. Je vous confie le commandement du vaisseau de haut bord New England. L'Angleterre a besoin d'hommes de valeur pour mettre à la raison des corsaires qui l'ont trahi. Vous mettrez à la voile dans 15 jours pour nos colonies d'Amérique. Et vous avez ordre de faire en sorte que ces colonies soient libérées de l'emprise des pirates. Capitaine Goodwin, avez-vous quelque chose à dire? Non, non, je n'ai rien à dire. Non!
navire espagnol. Capitaine, ce navire n'arbore aucun pavillon. Ce doit être un pirate. Quels sont vos ordres, capitaine? Nous continuons à suivre notre route. D'une portée, nous pouvons l'envoyer par le fond. Je le sais. Notre mission commence seulement à New Bristol. Le gouverneur est prévenu de la date de notre arrivée. Nous ne pouvons le faire attendre. Monsieur, nous nous devons d'obéir aux ordres. C'est un navire trop puissamment armé. Non, nous n'avons aucune chance. Marie, tu n'en as pas encore assez de courir les mers. Ça finira mal, un de ces jours. Pourquoi on rentre pas à Londres? On pourrait reprendre notre honnête gagne-pain. Barre à tribord! Payissez tout de suite le pavillon portugais. Capitaine, tu veux fuir? Oui, toute voile dehors. Et j'espère que cette forteresse n'aura pas l'idée de nous donner la chasse. Nous retournons à San Salvador. Hissez le pavillon portugais! Bienvenue, capitaine. On s'attendait pas à te revoir si vite ici. Oui. Est-ce que tu sais quelque chose d'une frégate anglaise qui a au moins 60 canons? Oui. Morgan, le Hollandais et Barbe Noire sont revenus dès qu'ils ont su qu'elle croisait au large. L'Angleterre veut notre peau à tout prix maintenant. Bon sang, je ne le savais pas et j'ai failli l'attaquer. T'as vu cette frégate? Elle est vraiment terrible. Contre elle, il n'y a rien à faire. En s'y mettant tous, on n'arriverait pas à la couler. Il faut pourtant faire quelque chose, sinon tu ne pourras plus prendre la mer, moi non plus. Que sais-tu d'autre? Le commandant est Peter Goodwin. Il a juré de nous avoir tous jusqu'au dernier. Comment est-ce qu'il s'appelle? Qui, Smoody? Comment est-ce qu'il s'appelle? Peter Goodwin, le fils de Lord Goodwin. Et vers où se dirige-t-il? La frégate est attendue au New Bristol. C'est d'ailleurs là que j'ai été renseigné. Où vas-tu, capitaine? À New Bristol. Mais c'est de la folie! Ils n'hésiteront pas à t'accrocher au bout d'une corde! Je crois qu'une épée ne suffit pas à donner du courage à un lâche. Tu vas voir, ça va réussir. Ils n'auront aucun soupçon, ils s'arrêteront. Ça ne me plaît guère. Je préférerais faire le coup à l'intérieur de la diligence. Oh, au secours. Les bandits. Qui est-ce? Qu'est-il arrivé? Je n'en sais rien. Il a dû être attaqué par des voleurs. Quelle sottise! Des voleurs en Floride? On n'a jamais vu ça. Allez, descendez. Relève-toi. Recule. Ça m'ennuierait de trouver des habits si jolis. Alors tâchez de tenir vos mains en l'air. Je n'ai rien de valeur sur moi. Je vais à New Bristol, à la fête du gouverneur. Non, dis que tu croyais y aller. Oh, et là, vous aussi, charmante dame. Il faut que vous leviez vos gentilles menottes, sinon gare. Oh, mais je suis une femme. Qui vous dit le contraire? Ne perdons pas de temps. Allons, déshabillez-vous et dites-nous qui vous êtes. Je me déshabille, moi aussi? Il nous faut vos costumes. Et vous aurez la vie sauve. Qui êtes-vous? Vous faites déshabiller le comte de Berry. Et cette jeune fille est ma pupille. Oui, on s'en doutait. Ainsi, vous vous rendiez à la fête du gouverneur. Oui. Le gouverneur vous connaît? Le duc et la duchesse de Wellcott. Le marquis et la marquise Salvatierra de Castilla. Le comte de Berry et mademoiselle Duchamp. Seigneurie, Lord de Coltyle.
Pardon, Excellence, cette demoiselle, qui est-elle? Je l'ignore, capitaine. Il n'y a que peu de temps que je suis ici. Tant de charme et de grâce mériterait un cavalier plus fringant. Excusez-moi. Mademoiselle, permettez. Comte. Devant de si beaux yeux, je ne sais que dire. Oh, et pourtant, je pense que vous ne devez pas être très timide avec les femmes. J'avoue que je m'étais trompé au sujet de cette colonie. À Londres, les gens croient que c'est une espèce de contrée sauvage. On s'imagine qu'elle est habitée par des brigands et de redoutables gredines. Oh, mais peut-être que ce qu'on croit est vrai. Et tenez, qui vous dit que je ne suis pas une voleuse? Quelle plaisanterie. Je crois avoir assez d'expérience pour distinguer à première vue une femme de qualité d'une aventurière. Ah, oui, oui, en effet. On m'a dit que dans le parc, il y avait des endroits ravissants. Voulez-vous que nous y allions? Oh, mais c'est que je suis avec le comte de Berry. Ah, oui. Je crois qu'il est bien entouré. Un bandit a arrêté notre carrosse et a crié « les mains en l'air ». J'ai levé les mains, mais pour le saisir par le collet et le renverser à demi-mort à terre. Et je lui ai dit « je ne puis tolérer qu'un inconnu veuille entrer dans mon carrosse ». Dès l'instant où je vous ai vu, j'ai eu l'étrange impression de vous avoir déjà rencontré voilà quelque temps. Vous voyez tellement de femmes. Aucune ne peut vous être comparée. Pourquoi riez-vous? Quel est votre prénom, mademoiselle Duchamp? Marie, cela vous plaît-il? Marie, c'est un très joli nom. Oh, voyons, mon cher, auriez-vous déjà oublié votre répertoire? La finesse d'une jolie cheville, le mystère d'une jambe exquise, qui fait songer à d'infinis extases. Marie, les prisons de Londres, le médaillon, toi. Eh oui, Peter Goodwin, tu as fait du chemin, il me semble. Tu étais dans un cachot et te voilà maintenant commandant un navire. Et toi aussi, tu as fait du chemin. Une vulgaire voleuse, invitée chez le gouverneur. Tu as raison. Je reconnais que je n'ai aucun reproche à te faire. Pardonne-moi. Marie, nous nous sommes enfin retrouvés, alors donne-moi une chance de pouvoir me racheter. Bien sûr, Peter. Je te promets de te donner cette chance. Et dis-moi, pourquoi es-tu venu à la colonie? Mon père voulait me forcer à me marier, mais j'ai préféré servir à bord du New England et me charger de couler tous les navires pirates. Maintenant que je t'ai retrouvé, nous allons bientôt regagner la vieille Angleterre. Bientôt? Et de quelle façon espères-tu en finir avec les pirates? Je crains que tu n'aies guère d'expérience. Oh, ce ne sera pas difficile. Pour moi, le seul pirate dangereux, c'est le capitaine Pouf. J'ai un plan qui permettra de le prendre sans coup férir. Mais ces histoires doivent te sembler sans intérêt. Oh non, non, ça m'intéresse au contraire. Dis-moi, comment comptes-tu vaincre le capitaine Pouf? Nul n'a réussi à le faire. J'ai un plan qui est très simple et très efficace. Quelques-uns de mes navires croiseront à petite vitesse et serviront d'appât. Il s'agit évidemment de vieux navires. Quand le pirate apparaîtra, ils s'enfuiront et l'entraîneront à un endroit bien précis. Moi sur le New England et le gouverneur sur le Queen seront dissimulés derrière les caps qui sont à l'entrée du golfe. Et quand le pirate arrivera, il sera pris entre deux feux. Oh, à mon avis, c'est un excellent plan. Oh, et je suis certaine à présent que nous serons vite à Londres. Rentrons, je t'en prie, avant que notre absence ne fasse jaser. Et quand te reverrai-je? Oh, je pense que nous nous reverrons bientôt. Thank you.
Je crois que cette fois, on va l'avoir. Ah, tu te trompes, mon garçon. Je te parie une guinée que ton capitaine Pouf, il se gardera de venir. Navire en vue sous le vent! Il fait des signaux! Notre plan réussit. New England coupe la route au capitaine Pouf. Goodwin réclame du renfort immédiatement. Goodwin réclame du renfort immédiatement. Maintenant, chaque seconde compte. Donnez l'ordre de lever l'ancre. Nous suivons ce sloop. Larguez toutes les voiles. Faites savoir que j'ai reçu le signal. Nous allons faire ce qui a été convenu. Le capitaine Pouf est à nous. Ils viennent. Allons-y, filons toute voile dehors. Goodwin croira que nous fuyons devant Pouf. Je tiens ma revanche, Peter Goodwin. Vous aviez convenu d'un signal. Alors, je vous conseille de répondre. C'est votre intérêt. Si vous ne dites rien, vous allez être envoyé par le fond avec nous. J'étais le commandant de ce navire. Si j'avais réussi à attirer sur moi le capitaine Pouf, j'aurais cinglé aussitôt vers le large et j'aurais signalé sa présence en tirant trois coups de canon avant de doubler le cap. Canonnier à vos postes! Canonnier à vos postes! Nerveux, capitaine? Non, pas à cause du capitaine Pouf. Écoutez, vous qui avez de l'expérience, que penseriez-vous d'une femme qui un jour me déroba un médaillon et vint chez moi pour me le rendre? Puis, tout à coup, devenue furieuse, je ne sais pourquoi, elle me jeta violemment ce médaillon au visage. Je l'ai revue il y a quelque temps. Elle a été très tendre et m'a revolé le médaillon. Je dirais que vous étiez pris l'un de l'autre, c'est une évidence. Et je vous conseillerais d'être prudent. Tous à vos postes! Barre à tribord! Tenez-vous prêts! Aucun doute, c'est le nôtre. Le bateau pirate est sûrement derrière. Soyez prêts à ouvrir le feu! Pointez toutes les bouches à feu sur le navire du gouverneur. Toutes voiles dehors et gardez le cap que je vous ai donné. Les pièces sont pointées. Donne l'ordre de tirer. Ouvrez le feu sur ce navire et ne le manquez pas. Quitte maintenant, Peter Goodwin. Barre à tribord et mettez toute la voile. Goodwin. Faites entrer ce misérable. À l'académie, ils ont su vous donner des galons, mais ils ont oublié de vous enseigner à faire la distinction entre deux sortes de navires.
Je le fais à contre-cœur. Mais au nom du roi, je vous relève de votre commandement. Avez-vous quelque chose à dire pour vous disculper? Excellence, votre navire suivait le sloop qui venait de faire le signal convenu. Oui. Oui, je sais. Oui, c'est une grosse faute. J'aurais dû reconnaître votre navire. Admettez cependant, Excellence, que j'ai des excuses d'avoir fait cette erreur. Peter Goodwin, voulez-vous insinuer que c'est ma faute? Savez-vous que votre erreur a coûté la vie à trois des nôtres et que vous avez causé de très graves avaries à mon navire? Je devrais vous faire jeter au fer pour une sottise de cette taille. Je n'ai pas l'intention de chercher à m'innocenter, Excellence. Il est impardonnable d'avoir ouvert le feu sur vous, mais... On m'avait prévenu de la traîtrise de ce pirate et j'étais cependant à mille lieues de me douter... Quelqu'un l'a certainement mis au courant de nos projets. Impossible, Excellence. Il n'y avait que vous et moi qui en connaissions les détails. Marie. Qui est cette Marie? Auriez-vous dévoilé à quelqu'un notre plan d'attaque? Oui, Excellence. Mais cela change tout. J'en fais une affaire personnelle à présent. Écoutez, je vais tenter de retrouver ce damné capitaine Pouf. Je jure de vous rapporter sa tête. Si je réussis, vous me rendrez mon commandement. Mais dans le cas contraire, eh bien, la question sera résolue. C'est une folie, Goodwin. Mais j'accepte. Il n'y a que de faibles probabilités que vous en reveniez vivant. Cependant, si vous réussissez, j'oublierai ce qui est advenu. Pourriez-vous me dire où j'ai une chance de trouver le capitaine Pouf? Dans l'île de San Salvador. C'est son refuge. Aucun navire n'a encore réussi à y aborder, tant elle est fortifiée. Nous savons de sources sûres que les pirates ont coutume d'y rapporter leur butin. Alors, avec le New England, je vous amènerai près de cette île. Ensuite, vous devrez agir tout seul. Je croiserai le long de la côte jusqu'au lever du jour. Donnez-moi des vêtements qui conviennent et un solide couteau. Je ne veux rien d'autre. Bien, Goodwin. Et bientôt, j'espère vous appeler de nouveau capitaine. Bonne chance. Viens boire un coup avec nous. Aujourd'hui, c'est ma tournée, alors faut en profiter. Merci, camarade. Mais avant, je dois voir le capitaine Pouf. Le capitaine Pouf? Le capitaine Pouf? Ce qu'il a changé, c'est pas croyable. Par exemple, là, il court plus les jolies filles. Si tu veux le voir, va à son bord, t'es sûr de le trouver. Ah, il descend plus faire de virée. Il est à son bord jour et nuit. Qu'y a-t-il, Marie? Marie. Voudrais-tu me laisser? Marie, Yvan est un brave garçon. Oh, je t'en prie, ne revenons pas là-dessus. Oh, toutes les femmes sont pareilles. Elles ont besoin de vivre avec un homme. Cela ne regarde que moi, tu entends? Oh, il faut que tu m'excuses. Je suis un peu nerveuse. Oh, oh, ça se voit. Et tu l'es depuis le jour où tu as entendu reparler de ce Goodwin de malheur. Faut pas ressasser constamment cette histoire. T'avais envie de te venger de lui, tu l'as fait, c'est donc une affaire réglée. Nous n'avons plus qu'à reprendre nos bonnes vieilles habitudes. Qui sait ce que lui a fait le gouverneur? À qui? À Peter. Peter Goodwin. Ah, ben, un capitaine qui essaye de couler le navire du gouverneur, il ne doit pas s'attendre à recevoir une médaille. Alors, ça n'a pas d'importance. Pourquoi te faire du souci?
Peut-être qu'on va l'accrocher à une corde. Mais il est plus probable qu'on le décapitera. C'est un moyen beaucoup plus rapide. Un seul coup, et crac. Non. Ah. Tu vois, tu es amoureuse de lui. Avoue-le. Bonne nuit. Bonne nuit, mon enfant. Sérieusement de Marie. Tu l'as vue comme moi, depuis quelque temps, elle a beaucoup changé. Faut faire quelque chose, sinon on risque de rester ici. Marie. Peter. Tu m'as trahi en dévoilant mon plan. Maintenant, tout s'explique pour moi. Oh, va-t'en, avant qu'on ne te trouve ici. Tu es un homme mort si quelqu'un... Je suis venu ici pour tuer le capitaine Pouf. Et j'ai deux excellents motifs de le faire à présent. Non, tenter de le sauver est absolument inutile. Ah oui, dans ce cas, écoute-moi. Va, tue le capitaine Pouf. Tue-le pour obtenir ton pardon du gouverneur. Qu'attends-tu? Si tu prétends le tuer pour prouver que tu as du sang dans les veines, alors fais-le tout de suite. C'est moi, le capitaine Pouf. Toi? Crois-tu réellement que je suis idiot à ce point? Je suis le capitaine Pouf! Ce n'est pas vrai. Tu sais que je te ferai grâce. Tu dis cela uniquement afin de sauver ton amant. Dépêche-toi de fuir. Mes hommes peuvent arriver ici d'une minute à l'autre. Et s'ils te découvrent, je ne réponds pas d'eux. Crois-moi, pars au plus vite. Ce sont des mensonges. Tâche d'avoir au moins la décence de te taire, sinon je vais oublier que tu es une femme. Capitaine Pouf! Marie! Ne bouge plus. Capitaine Pouf, cet homme a voulu attenter à ta vie. Nous devons donc lui appliquer notre loi et le pendre. Il mérite la mort. Sur le pont. Capitaine Pouf, si tu étais une femme, tu ne serais pas là à te réjouir d'une pendaison. Donne l'ordre, n'hésite pas. Je sais pourquoi tu veux ma mort. Je suis le seul homme qui a osé te montrer ce que tu es en réalité. Une fille très commune. Peter Goodwin, c'est dans les salons de Londres qu'est ta place. Alors, qu'est-ce que tu attends? Détachez-le et donnez-lui une épée. Capitaine, cet homme mérite la corde, tout de suite. Qui commande à bord? Détachez-le et donnez-lui une épée. Écoute, Goodwin, bats-toi contre moi, comme si j'étais un homme. Le vainqueur disposera de la vie de l'autre. Allez, capitaine! Allez, capitaine! Allez! 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 Allez!
alors, capitaine Pouf? Ne le touchez pas! J'ai fait une promesse, je veux la tenir. Il m'a battu. Peter Goodwin, vous êtes libre, faites de moi ce que vous voudrez. Capitaine Pouf, vous êtes ma prisonnière. Vous allez venir avec moi chez le gouverneur. Non, le capitaine restera ici. Vous pouvez vous estimer très heureux d'avoir la vie sauve. Abandonné. Cessez le feu! J'ai pas eu le cœur de vous abandonner à votre destin, Goodwin. Je suis heureux que la chance vous ait souri. Merci d'être intervenu, Excellence. Je vous dois la vie. Mais ce maudit pirate, le capitaine Pouf, racontez-moi. Je suis impatient de savoir si vous l'avez capturé. Le capitaine Pouf? Mais, Excellence, il est mort. Je l'ai rencontré en duel et je l'ai tué. J'ai ramené cette malheureuse enfant. Elle était sa prisonnière. Vous avez montré toute votre valeur. Cette ravissante jeune fille serait une récompense suffisante. Mais je vous rends aussi votre grade et le commandement du New England. Et vous porterez personnellement à Londres la nouvelle de votre grande prouesse. Corne du diable! Je n'avais encore jamais avalé d'eau, mais c'est bien la dernière fois. Qui est cet homme? Oh, Marie! Marie! Vous n'avez rien de cassé, comte de Berry? Quelle malédiction, ces pirates! Ils voulaient nous faire périr. Mais je vous ai déjà raconté cette histoire trois fois. Redites-nous votre duel avec le terrible capitaine Pouf. Est-il vrai que c'était un géant? Et qu'il faisait trancher la tête à tous ses prisonniers? Excusez-moi, mais adressez-vous au comte de Berry, il l'a très bien connu. Bien sûr, le capitaine Pouf, il était gigantesque. Il maniait une épée qui était si pesante que trois hommes s'essoufflaient en la levant. Mais cela n'effraya pas du tout Peter lorsqu'il le rencontra en duel. Il lui porta une botte et l'étendit à terre. Vous êtes très séduisante, Milady. Et si toutes les jeunes filles des colonies ont autant de charme que vous, nous n'avons plus qu'à déserter la vieille Angleterre. Excusez-moi, Duc. Je vous la laisse bien à contre-cœur. Vous êtes l'homme le plus fortuné qu'il y ait à Londres. Oh. Votre femme, mon cher, est délicieuse. Il a dit délicieuse. Un tel enthousiasme à l'égard de ma femme devrait me rendre jaloux.
Attention, s'il ne cesse de te faire la cour et de te dire des galanteries à l'oreille, je révélerai qui était le terrible capitaine Pouf. Et il te fuira. Mais qui croirait une pareille sottise? Je suis la pauvre malheureuse qui était au fond de la cale et je le resterai pour tout le monde. Peter, tu inventes une histoire et après l'avoir racontée 3 fois, tu finis par la croire.